vous êtes déjà demandé comment est-ce que je pourrais redécorer mon petit chez moi sans dépenser une blinde. Si c'est le cas, vous êtes sur la bonne vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. Très à la mode. J'en ai mis partout. Très à la mode actuellement, jeune homme. Le bouquet de fleurs séchées. On en trouve véritablement dans tous les magasins. C'est vraiment la déco tendance. Pampa par-ci, palmier par-là, ça n'arrête plus. Mais voilà, le souci c'est que certaines plantes ont traversé le bout du monde avant d'arriver dans nos boutiques, ou alors elles ont été colorées avec des produits nocifs et toxiques pour notre santé et l'environnement, et ce, au nom de l'esthétisme. Tout ça pourquoi? Être vendu quelquefois jusqu'à 4€ le brin? Non, non, je déconne pas. 4€ la tige, alors qu'elles sont souvent qualifiées, chez nous, en France, de plantes invasives. Non mais la blague, tu l'éradiques dans ton jardin avec la tondeuse puis ensuite tu vas la racheter 4 balles en boutique. C'est à n'y rien comprendre. Ou encore pire, j'ai vu dans la série plantes séchées, des formats en plastique. Bah voyons, de la mauvaise herbe en toc. Bah alors là c'est le pompon. Bon bref, la bonne nouvelle c'est que j'ai décidé de vous montrer comment est-ce que je fais sécher mes plantes naturellement, et ce, sans silice et sans glycérine. Dans un premier temps, je pars à la chasse aux plantes sauvages, en journée, très important, par temps sec, et une fois que la rosée du matin est passée. Ça me permet de repérer les végétaux qui me plaisent, et puis c'est vrai que moi, généralement, j'aime bien quand ils sont tout petits et velus, ou alors grands et bien touffus. Hors contexte, ça peut être vraiment gênant ce type de phrase. Je parle des plantes. Bon bref, pour les bouquets de ce type, je cherche celles que je nomme les queues de lapin. Plus communément appelées de leur nom latin, Lovatus truducus. Je sais plus ce que c'était. Lagurus ovatus. Personnellement, je trouve que queue de lapin, c'est quand même beaucoup plus mignon et beaucoup plus ressemblant. Je vais pas faire genre ça sent bon parce que c'est sec, donc ça sent plus rien. Mais je récolte aussi les avoines, les épis de blé, les pampas, enfin toutes celles qui pourront me servir à composer un bouquet harmonieux. Une fois que je les ai repérées pendant ma petite promenade, je les coupe avec un ciseau. Très très important, c'est pas la peine d'arracher tout le pied et d'enlever les racines à la nature. Et dès le début, je les mets directement dans un petit sac en tissu. Surtout, je ne les garde pas à la main, je ne les pends pas non plus à mon sac à dos parce que ça risquerait de les fragiliser. Sachez également que pour préserver les couleurs, il y a un stade de coupe qui varie donc d'une plante à une autre, mais aussi d'une saison à une autre. En fait, le moment où vous allez les cueillir va très clairement influencer la couleur de votre bouquet final. Perso, moi j'adore les couper pendant l'été parce que je recherche vraiment ce camaïeu de beige et je suis un petit peu moins fan des couleurs trop vives. D'ailleurs, pour prélever des végétaux dans la nature, sachez que c'est toléré. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas un droit, mais c'est toléré. Donc renseignez-vous bien avant de cueillir n'importe où, n'importe comment. Il y a une réglementation pour chaque département que vous pouvez consulter sur un lien que je vous laisse en barre d'infos. Ça serait dommage de prélever une espèce protégée. Mais oui, c'est clair. Donc surtout, renseignez-vous bien sur le site géographique concerné, ça vous évitera quelques petits déconvenus avec les autorités. Une fois la cueillette accomplie, je rentre avec mes petites trouvailles et je les destitue des feuilles qui ne m'intéressent pas. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi laisser les feuilles, ça permet de donner un petit effet de volume et c'est plutôt bienvenu si vous n'avez pas trouvé beaucoup de végétaux autour de chez vous. Ah oui, et attention à la petite feuille de fin, il ne faut surtout pas l'enlever parce que ça risquerait de casser votre tige et de la réduire de presque moitié. Et ce serait un petit peu dommage, surtout si vous voulez des grands bouquets. Ensuite, je forme des bouquets de 15 à 20 brins que je viens nouer avec une petite corde en coton que je réutiliserai sur mes prochains bouquets. Zéro déchet, toi-même tu sais. Et surtout, ne serrez pas trop le nœud, hein. On ne pose pas un anneau gastrique au bouquet. Si vous serrez de trop, vous allez fragiliser la tige et vous retrouver avec des ondulations dessus. Ensuite, je divise le bouquet en deux et je viens le faire sécher sur un cintre ou un tankerville. Enfin, ça dépend surtout si j'ai beaucoup de linge à laver sur les prochaines semaines. Il m'arrive également d'utiliser du velcro, comme ça, ça décore le mur en attendant. Pendant le séchage, je les positionne toujours la tête vers le bas pour que les tiges soient le plus droites possible et gardent une jolie forme, parce que personnellement, je veux pas un herbier à plat. Et ce, pendant 2 à 3 semaines, et ça dépend de la météo, du taux d'humidité et de l'endroit où vous allez les faire sécher. Par exemple, si vous voulez qu'ils sèchent vite et bien, il faut les placer dans un endroit sec, hein. Allez pas me le coller dans la salle de bain, vous allez vous faire un petit sauna tous les 4 matins. Petite astuce concernant les couleurs, si vous voulez les conserver, comme celle de la lavande ou des achillées, il faudra impérativement les faire sécher dans un endroit à l'abri de la lumière. Dans un placard où il fait noir par exemple. Et idem, si vous avez des couleurs dans votre bouquet, le must c'est de ne pas les exposer en face d'une fenêtre. Parce que sinon, vous avez compris, les rayons du soleil, ça décolore. Et oui, c'est un petit peu comme les bottes de foin. Lorsque l'herbe elle est coupée, elle est verte. Mais lorsque les bottes sont roulées et laissées exposées au soleil, ça devient jaune. Oui, oui, je sais. Entre la moissonneuse batteuse dans cette vidéo et le foin dans celle-ci, j'avoue, je ne peux plus vous cacher ma passion débordante pour le monde de la ferme.
Bon bref, si vous n'êtes pas patient pour faire sécher votre bouquet, un déshydrateur ça marche aussi. Et comme on n'est pas trop censé les manger, c'est pas très très grave pour la perte de vitamines et de minéraux. Vous pouvez aussi les cueillir sèches directement à la fin de l'été et ça tombe plutôt bien vu qu'on y arrive bientôt. Donc si vous voulez des tons beige et décolorés comme mes bouquets, préférez un séchage à la lumière. D'ailleurs, si vous voulez colorer certaines plantes qui ne le sont pas naturellement, je vous conseille vraiment de bien les décolorer à la lumière avant parce que ce sera beaucoup plus facile de travailler sur une base plus claire, comme je vous le montre dans cette vidéo. Et petite astuce, lors de l'épilage, j'ai toujours des loupées. Certaines vont se casser, d'autres vont se dédoubler et je les garde tout de même dans un petit pot en verre. Comme ça, au bout de 3 semaines, quand le bouquet suspendu est jauni, je retourne chercher mon petit pot et je presse avec ma main les tiges qui ont séché dedans. Et si je sens que ça crispe, c'est que les brindilles ont suffisamment séché et que donc mon bouquet est également suffisamment sec. Ça évite de venir presser le bouquet dans tous les sens pour vérifier s'il est sec et de le détruire avant même de l'avoir exposé. Ensuite, une fois qu'il est sec, vous n'avez plus qu'à l'exposer dans un joli vase ou alors en faire une jolie couronne. D'ailleurs, celle-ci n'a pas été réalisée par mes soins, elle provient de l'atelier de Brice qui se trouve à Nantes. Je me suis dit que ce serait chouette de vous montrer les créas réalisés par les artisans de la boutique. Et puis, soyons honnêtes, on n'a pas tous la même patience ni le même temps pour réaliser de tels chefs-d'œuvre. Sachez que je ne suis pas rémunérée pour vous en parler et que si ça vous intéresse, la boutique propose également des envois. Et le petit plus, c'est qu'ils peuvent vous confectionner des couronnes sur mesure. Plutôt pas mal quand on a une idée en tête ou un événement particulier. L'avantage du bouquet de fleurs séchées, au-delà de l'aspect décoratif, c'est qu'il est également écologique, parce qu'il dure plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc pas besoin de racheter des bouquets toutes les 3 semaines. En même temps, quand je vois certains de mes déboires avec les plantouilles sur Instagram, ça m'arrange bien. L'entretien sur les plantes séchées est plus qu'inexistant. Et même qu'il ne faut pas trop secouer votre bouquet, car sinon c'est votre maison tout entière qui va avoir besoin d'entretien. Et ouais, certaines plantes sèches perdent plus de fleurs que les poils de votre chien en plein mois de printemps. Donc mollo sur les poussières. Voilà, amusez-vous bien à faucher les fleurs de votre voisin ou à prendre votre étendoir pour un jardin déshydraté et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo si elle vous a plu, ça m'aide pour le référencement. Ciao !